que ce lieu puisse à la fois évoquer l'histoire, la mémoire des combattants, mais aussi le combat des femmes. Je suis aussi heureux de pouvoir vous accueillir pour un déjeuner qui a été préparé par les chefs restaurateurs étoilés de la Normandie qui voulaient être à la hauteur de l'événement. Merci à tous. Ont assisté à cette rencontre entre guillemets avec Vladimir Poutine. Ça s'est passé dans le vestibule au moment où tous les invités du président Hollande avaient terminé leur déjeuner. Et donc les deux présidents n'ont pu faire autrement, si j'ose dire, que de se parler. Tout ça dans une ambiance apparemment assez conviviale. Ils se parlaient directement à voix basse, m'a dit un témoin qui était à quelques mètres d'eux. Et ils ont évidemment évoqué le principal sujet de friction entre eux aujourd'hui, qui est le dossier ukrainien. Alors donc, la reine d'Angleterre sera, comme elle avait été la première à arriver ici au château de Bénouville, la dernière à en partir. La reine d'Angleterre qui aura donc passé près de 3 heures dans ces lieux. Il faut dire qu'ils avaient été un petit peu aménagés pour elle, puisqu'elle disposait, contrairement à d'autres invités, de 2 salons au premier étage et non un pour se reposer.